Alors, bonjour Caroline. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Alors, nous allons participer à l'enquête numéro 225 du département d'investigation de la Team Griffasi, à laquelle plusieurs pays participent selon un protocole fixe commun. Dans une première partie, il y aura des questions fixes. À ce stade, je ne pourrai pas approfondir tes réponses. Dans une deuxième partie de questionnement libre, là, je pourrais approfondir les réponses que tu auras apportées dans la première partie. Tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de cette investigation? Tout à fait, je te confirme ne pas connaître le sujet. Te sens prête? Oui. Alors, on y va. Quel décompte souhaites-tu? 1, 5, merci. D'accord. Là, je n'étais plus à l'écran, donc je vais attendre quelques secondes. Ça y est, ça y est, ça y est. Tu vas prendre une profonde respiration. Chaque chiffre sera un palier. À chaque palier, tu vas t'enfoncer davantage, encore davantage. Tu es prête? Oui. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu te connectes avec ceux que l'on appelle dans diverses cultures populaires les élémentaux ou les esprits élémentaires et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. D'accord, je suis connectée aux élémentaires, à la fréquence des élémentaires. Je perçois des sentiments, un peu comme si tu avais des petites étoiles, comme si on voit passer une étoile filante. C'est un peu la fréquence rapide des étoiles filantes, mais c'est également la fréquence de la vase, de la terre, de la boue. Ah, quelque chose d'extrêmement sombre. Voilà ce que je perçois. Tu veux compléter par d'autres informations? L'odeur nauséabonde qui va avec, le côté sombre. D'accord. Je vais passer à la deuxième question. Décode l'ADN éthérique des élémentaires en reconstituant leur forme originelle, amont 3. 1, 2, 3. Alors, en reconstituant leur forme, il y a des écailles qui s'invitent dans les formes. Après, c'est comme un puzzle, ça se modifie, ça se remodifie, ça se reconstruit. Et les briques qui apparaissent, ça ressemble à un gros lézard. Ouvert. Voilà la forme originelle. Autre chose? Pas pour l'instant. Alors, je vais te poser la question suivante. Quelle est l'apparence physique des créatures élémentaires? 1, 2, 3.
Je vois défiler de nombreuses apparences. Elfes, fées, trolls, djinns. Gnome. Des petits personnages de couleur verte qui chantent. Tout cela a l'air très très joyeux. Les fées aussi ont l'air très joyeuses. Tu perçois autre chose? Pas pour l'instant. Alors, la question suivante. Quelles sont les fréquences qui caractérisent les élémentaires selon toi? 1, 2, 3. La joie et la colère caractérisent les élémentaires. Que je perçois de leur fréquence. Un pôle positif et un pôle négatif. C'est comme quand on allume un feu. Il y a le feu qui réchauffe, qui fait du bien, et le feu qui brûle et qui détruit. Complètement différent. Autre chose? D'accord. Alors, question suivante. Quel est leur plan d'existence et de manifestation? 1, 2, 3. Elles vivent dans la nature. À proximité des humains pour capter leurs émotions. Ils font concurrence aux végétaux. Entre les végétaux et l'humain, il y a un échange équitable. Bah, avec les élémentaux, l'échange est différent. Les flux d'énergie que je peux percevoir ne se font pas de la même manière. C'est comme si les élémentaux aspiraient l'énergie de l'être humain. Sans autre échange possible. Pas la même chose avec les végétaux, avec les arbres. Il y a un véritable échange. Et entre eux d'ailleurs aussi. Entre les végétaux, il y a des échanges. Il y a une certaine fraternité. Ce n'est pas la même chose au niveau des élémentaux. Parce que je perçois très individualiste. Autre chose? Non. D'accord. Alors la question suivante, comment ces êtres vivent-ils et agissent-ils? 1, 2, 3. Ils sont assez proches les uns des autres tout en étant autonomes et indépendants. Ils agissent aussi bien le jour que la nuit.
auprès des êtres humains qui viennent dans la nature. Auprès de tout ce qui est vivant dans la nature. Ils se servent pour alimenter leurs propres besoins. Autre chose? Oui, ils semblent être joyeux, mais ça n'est qu'une façade. Leurs fréquences sont plutôt sombres. Autre chose? Alors, les créatures élémentaires interagissent-elles avec les humains? Oui, non, ou seulement partiellement? Tu as déjà commencé à répondre. Oui. Pourquoi interagissent-ils avec les humains et comment le font-ils? Ils interagissent avec les humains pour leurs propres besoins. Ils aspirent leurs émotions. De préférence à tout ce qui est peur, tristesse, colère. Les fées semblent aussi se nourrir des hautes fréquences, comme la joie, mais transformer cette fréquence. Elles sont en capacité de transformer cette fréquence. Les autres élémentaux, non. Et ils interagissent avec les humains, quelle que soit leur fréquence d'émotion. Après, ça dépend du calibrage de chaque élémentaire. Autre chose? Non. D'accord. Au-delà des humains, avec qui vocrait-il? Avec tout ce qui est vivant, il préfère co-créer avec les humains, mais ils peuvent aussi se rapprocher des animaux, des végétaux, de tout ce qui est vivant et qui dégage des émotions. Autre chose? Mais ils préfèrent co-créer avec les humains, dans la plupart des cas. D'accord. Une dernière question. Quel type d'interaction, de co-création perçois-tu? Décris-les. Alors, un élémentaire est capable de co-créer avec plusieurs êtres humains en même temps, de se nourrir des fréquences les plus basses sur ces êtres humains, celles qu'il aura sélectionnées. Si parmi les fréquences émises par l'être humain, certaines ne lui conviennent pas, il ne va pas les sélectionner. Après, si c'est une fée, elle va sélectionner ce qu'elle préfère. Que ce soit une fréquence haute, une fréquence basse. Et la manière de procéder, c'est comme si c'était un aspirateur à fréquence. Comme si c'était une ventouse. Extrêmement rapide, efficace et discret. Très discret.
Oui, c'est ça, c'est une sorte d'aspirateur fréquentiel pour récupérer l'énergie dont ils ont besoin pour se nourrir. Ça ne laisse pas de traces. Ah, ça ne laisse pas de traces, sauf de la fatigue. Autre chose? Non. D'accord. Donc on a terminé la partie de questions fixes. Donc maintenant, bah, je vais passer à des questions libres. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit au début. Tu as parlé de briques comme un puzzle et tu Oui. voyais comme un gros lézard. Oui. Qu'est-ce que tu, est-ce que tu peux donner des précisions sur ce mot? Alors, derrière l'apparence des élémentaires, sa fréquence initiale que j'ai pu percevoir, c'est l'apparence d'une sorte de gros lézard de couleur verte avec une odeur particulière, extrêmement nauséabonde. Et tu veux dire que c'est au-delà des formes, des fées, des gnomes, des trolls? Oui, c'est ce qui se cache derrière. Tu vois, quand tu es dans un tour de magie, tu as une apparence et tu as le magicien qui utilise sa baguette et qui change l'apparence de quelque chose. Bien, c'est exactement ce qui se passe avec les fréquences des élémentaires. Quand tu touches, pas du tout un élémentaire. Comme dans les livres, c'est une autre apparence qui apparaît. Tu veux dire que derrière, ce sont des fréquences plutôt reptiloïdes? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. J'aimerais aussi que tu approfondisses ce que tu as dit tout à l'heure avec les pôles positifs et pôles négatifs. Joie par rapport à colère. Oui. Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça, à cette apparente opposition? La joie est une fréquence haute, la colère est une fréquence basse. Ce que je perçois, c'est pour les élémentaires, ça dépend comment c'est utilisé. C'est comme une joie suffisante ou un excès de joie, une colère suffisante ou un excès de colère. Pour un élémentaire, ça ne va pas forcément être négatif, la colère, elle peut être positive si elle est juste. Si elle est en excès, c'est négatif. La joie, si elle est ju en juste quantité, ça va être positif. Mais en excès, ça va être négatif. Il n'y a pas de réelle polarité pour les fréquences sélectionnés par les élémentaires. Les seuls calibrés pour les fréquences hautes comme la joie sont les fées. Les autres vont aller vers des fréquences plutôt basses, mais ils ne peuvent pas en absorber en excès, sinon ce qui est positif pour eux deviendra réellement négatif, voire toxique. D'accord. Donc, en fait, c'est un peu comme s'ils se nourrissaient de la disharmonie sur une même fréquence, qu'elle soit joyeuse ou colère. Ou... Oui. C'est ça? Ok. Et comment ça se passe exactement sur la façon, pour la façon dont, dont ils se nourrissent auprès d'un humain qui se promène dans la nature?
Ils sont très mobiles, ils se déplacent très vite. Une fois qu'ils ont capté une fréquence qui leur convient, ils utilisent leur aspirateur à fréquence en visant la partie du corps la plus intéressante, celle qui émet la fréquence qui les intéresse. Ils mettent en action leur dispositif. C'est très rapide, ça ne laisse pas de traces. Mis à part peut-être une petite ou une grosse fatigue. Ça dépend de l'état initial de l'être humain. J'aimerais que tu dis-moi si tu perçois des détails sur ces aspirateurs à fréquence. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une sorte de scanner. Il va scanner les parties du corps de l'être humain et voir ce qui est en parfaite symbiose avec ce dont a besoin l'élémentaire. Et là, une fois que le voyant est vert, l'aspiration est effective. Et quand la quantité nécessaire est absorbée, s'arrête. Et techniquement, comment font-ils pour absorber ces fréquences? C'est stocké dans une sorte de petit boîtier et après, c'est diffusé. En eux. D'après ce que tu perçois, c'est toujours récupéré par les élémentaires, ça ne va pas ailleurs. Non, ils ne partagent pas. D'accord. D'accord. Je ne les vois pas partager. Et ils peuvent, tu peux en voir plusieurs sur un seul humain qui se promène? Oui, c'est possible. Ils vont prendre la fréquence qui leur convient sur cet humain, qui ne sera pas forcément la même pour chacun d'entre eux. Ça dépend encore une fois de leurs besoins. Car ils ne sont Est-ce pas calibrés de la même manière. que un être humain peut dire non de quelle façon face à un élémentaire qui essaierait de récupérer de l'énergie, des fréquences? Un être humain libre et sans contrat, qui est conscient de sa souveraineté, peut dire non. Dans ce cas-là, pas d'aspiration. C'est ça. D'accord. Et si tu prends un être humain interféré, mais confiant de son espace, est-ce qu'il arrive à ne pas se faire pomper? Alors, il va neutraliser une partie du pompage, mais pas tout. D'accord. Quelle est leur fréquence d'apparition auprès des humains? Je veux dire par là, tu prends un humain qui va se promener. Est-ce qu'il est régulièrement contacté comme ça par des élémentaires? À chaque promenade, ils sont toujours présents. Dans Oui. tout, quel type de promenade en particulier? Quel environnement? La nature, particulièrement dans les forêts, très boisées, avec beaucoup de végétation, un peu moins de végétation, mais tout ce qui est forêt. Pourquoi les forêts? Pas des oasis, ça peut être des haies forestières, ça peut être tout
ce qui est vert et végétalisé. Là où il y a beaucoup d'oxygène, dans les forêts. L'environnement est beaucoup plus propice pour eux. Quelle est leur interaction avec l'oxygène? Plus l'être vivant est oxygéné, meilleure est l'énergie pour eux. Et dans les forêts, il y a beaucoup d'oxygénation possible pour le vivant. Donc en fait, ce n'est pas pour eux qu'ils recherchent l'oxygène, mais en fait parce que l'être humain sera davantage énergisé. Tout à fait. Et par rapport à ça, est-ce qu'ils recherchent des humains particulièrement oxygénés au niveau du métabolisme? Encore une fois, ça dépend de leur calibrage. Les fréquences des êtres humains les intéressent. Que soit leur énergie. Ils vont trouver une réponse à leurs besoins. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le calibrage des différents élémentaires? Dis-moi, est-ce que tu perçois? Oui. Comme chaque être humain, plus ils grandissent, plus leurs besoins sont différents. La plupart sont calibrés pour des fréquences plutôt basses. Seuls les fées sont calibrés pour les fréquences, qu'elles soient hautes ou basses. Et le scanner qu'ils utilisent pour détecter les fréquences les plus adaptées va tenir compte de leur évolution. Leur maturité, leur âge, de leur force. Pour scanner les bonnes énergies de récupération pour subvenir à leurs besoins. D'accord. Qu'est-ce que tu perçois de la relation éventuelle entre un élémentaire qui est en train de se nourrir d'un être humain et les interférences de cet être humain? Dis-moi ce que tu perçois. Chacun semble rester dans son coin et se nourrir à des degrés différents. Donc il n'y a pas de tension. D'accord, les élémentaires semblent tolérer. Oui. D'accord. J'aimerais que tu regardes un humain en train de communiquer volontairement avec des élémentaires. Dis-moi ce que tu perçois. D'accord, alors un humain qui communique.
Avec un élémentaire, ouvre la porte. À cet élémentaire ou à ces élémentaires pour se servir de son énergie sans qu'il n'en ait conscience, sans même qu'il ne puisse le ressentir. Est-ce qu'il va perdre plus d'énergie qu'un promeneur qui ne cherche pas spécialement à entrer en communication? Non, il va en perdre, mais non, pas plus. D'accord. Si tu regardes l'effet sur l'ensemble de ses corps quand ils communiquent, ça se passe comment? Corps mental, corps émotionnel? Il y a un fort impact sur le corps émotionnel, plus que sur les autres corps. Le deuxième impact, c'est sur le corps sexuel. Mais le premier impact, c'est sur le corps émotionnel. Tu peux me le décrire? Oui. C'est comme si l'être humain était euphorique, mais cette euphorie n'est qu'un leurre. C'est comme si c'était un masque pour dissimuler l'énergie qui est en train de s'envoler. Et pour l'énergie sexuelle? Qu'est-ce que tu perçois? Caroline? Oui. Je vois le mot vie qui apparaît en clignotant. Une énergie de vie qui est toujours bien présente. Il n'y a pas de leurre sur cette énergie. Elle est elle fluctue chez l'être humain. Mais il n'y a pas une disharmonie comme ce qui est créé au niveau de du corps émotionnel. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc, quels effets tu vois du coup? Alors, c'est vraiment très peu perceptible, hein. Ça va plutôt se traduire par un manque d'envie et qui ne sera pas permanent, mais ponctuel. À la fois une euphorie et avec cette euphorie, un bien-être, mais pas envie de faire quoi que ce soit, juste être dans l'euphorie et le bien-être. C'est comme ça que ça peut être perçu. Est-ce que cela donne à la personne concernée l'envie de revenir vivre ce genre de choses? Oui. Autre chose? Oui, ça peut devenir addictif pour cette D'accord. personne, à elle d'être très vigilante. Et de bien se connaître. D'accord. Est-ce que ces élémentaires ont toujours été présents au sein de l'humanité?
Oui. À toutes les périodes. Depuis que l'être humain existe. Oui. Sur plusieurs lignes temporelles, sur sept lignes temporelles. Plusieurs lignes temporelles. Nombreuses. Oui. D'accord. Je voudrais déconnecte-toi de ces informations. J'aimerais que tu reviennes à ce que tu m'avais dit par rapport aux végétaux. Tu m'avais dit qu'il y avait une sorte de concurrence aux végétaux. Est-ce que tu pourrais développer? Alors le végétal a un échange désintéressé avec l'être humain qui est proche de lui, ce qui n'est pas le cas des élémentaires. Il ne fonctionne pas de la même manière. L'élémentaire fonctionne pour lui. Les végétaux fonctionnent en famille, avec la fraternité des végétaux. Mais est-ce que tu perçois une relation particulière entre les élémentaires et les végétaux? Tu avais employé le mot concurrence. Alors pour les élémentaires, il y a une concurrence, effectivement, parce que lorsque l'être humain a une connexion très très forte avec le végétal, pour eux c'est très compliqué d'approcher cet être humain. Et là, c'est ça le ressource l'être humain qui a une forte connexion avec le végétal, avec la nature, avec les arbres. Il est tellement en symbiose que c'est difficile pour un élémentaire de s'approcher d'un être humain dans ces conditions. C'est une forme de protection finalement par rapport aux élémentaires alors. C'est une fréquence trop forte, oui, pour qu'un élémentaire puisse s'approcher de l'être humain en symbiose avec un arbre, par exemple. D'accord. D'accord. Est-ce que certains humains sont conscients du pompage énergétique? Lesquels? Est-ce qu'il y a une caractéristique commune? Oui, c'est une caractéristique génétique. Ah, d'accord. Certains ont une génétique qui leur permet de ressentir ces pompages. Quel type de génétique? Génétique avec des fréquences bleues. Tu peux approfondir le bleu? Fréquence bleue, fréquence orange également. C'est comme une gamme de musique. C'est une gamme de fréquences génétiques. Tout le monde ne possède pas ça. Est-ce qu'il peut y avoir une traduction en termes de séquences, de choses comme ça? Non, il n'y a pas une séquence à proprement parler.
D'accord, tu peux m'en dire plus sur ces fréquences bleues et oranges génétiques? Oui. Dis-moi ce que tu perçois. C'est un calibrage particulier qui se transmet de génération en génération. Autre chose? Non. Est-ce que tu sais d'où vient cette génétique? Non. Est-ce qu'elle est très répandue au sein de l'être humain? Non, très peu répandu. D'accord. Ok. Et tu me dis qu'elle ne se matérialise pas par une séquence. Par quoi se matérialise-t-elle? C'est une fréquence, mais de couleur, mais est-ce qu'elle a une autre matérialisation dans la génétique? Non. D'accord. Je te propose de revenir. Déconnecte de tout et de tous. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu rouvriras les yeux. 1, tu rentres dans ton corps. 2, tu installes la fréquence de ton foie. Et 3. Bon, merci à toi. Merci à toi. Donc nous en avons fini pour l'investigation sur les élémentaux. Je précise avant de couper l'enregistrement que cette enquête est suivie d'une vidéo réalisée par Calogero Griffasi afin d'apporter des informations complémentaires sur ce que sont les investigations. Voilà, à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese.
Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa. Il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine, credo, o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte? A dove arriva, viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi, il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
è che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione. E quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, in forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi, quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosure. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiate che, supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale, a caso, l'ANSA in Italia, ADN Cronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo, per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.